Qu'est-ce que tu penses du travail d'Alphonse? Qui? Alphonse Alt, l'Alto Sipi. Géographie, c'est nazi. C'est la friche. Je pense que ça manque de sexe. Ouais. Ça, il l'a toujours dit. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
La vidéo, je sais pas. Mais c'est trop drôle. Ouais, c'est drôle. Je pense que c'est le même homme. C'est chouette. Glasenwasserkarren. Ah oui, c'est des chariots à bateau. Donc ça c'est... En fait, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de comment il s'appelle le couple allemand, Bernd und Lameche, c'est la typologie. En fait, voilà, donc tu vois, il reprend un sujet qui revient, et il voit comment ça a été fait partout. Bromfietzen, qui c'est un photographe de l'archi d'intérieur, de Schindlerhaus. Ça c'est le siège du Parti communiste français, c'est à Paris. En fait, c'est... Charmier de Rossinière. Mais c'est lui qui a fait les... Toutes les photos. Toutes les photos. Ah ben oui, parce que c'est lui, il est photographe de déco. Il était photographe de House and Garden. C'est pour Clean. Mais il va montrer ça, ça c'est sa maison. C'est chez lui. Tu vois, ça c'est très beau. Ouais. Toutes ces œuvres qui sont là. C'est une maison de 19, ça c'est Saint-Trombe. Enfin, il a fait François Hallard, tu vois. Tu connais elle? C'est la femme du Julian Schnabel, c'est Anne, comment elle s'appelle là? Attends, c'est une artiste franco-vietnamienne, et qui est Anne Blouin, tu vois. Et c'est la femme de Julian Schnabel? Il me semble qu'elle était la femme de Schnabel. Alphonse. Ça s'améliore. C'est toi qui l'ai fait. C'est toi qui veux. Finalement, c'est toi qui l'ai fait. Hein. Là, je te laisse porter. J'ai déjà dit au fabricant de pigments, il m'a dit, ah oui, si vous avez mis un peu d'or, ça va bien. Il a dit que c'était bien par rapport au sens de la pigment aussi. Oui. Oui, manuel. Ah, ouais. Mais je ne suis pas pressé pour ça, en fait, à vrai dire, tu vois. Ça, c'est beau, ça, oui. Ouais. Ouais. Bah écoute, je le ferai. Tu le rafraîchiras. Mais le comme ça avec. Hop là. Je sais pas si c'est bien, mais. Voilà. Et je mets ça. Comme ça, vous le voyez tous les jours. Voilà. C'est l'actualité. Donc, ça c'est avec 1 cm. Ouais. C'est beau. C'est très beau. Ah, je me réjouis de celle-là. Peut-être pour l'autre, on essaye de le faire un peu plus étroit. Oui, parce que 40-60, c'est plus petit comme format. Ouais, oui, c'est ça. Quoi. Donc, s'il respecte vraiment la dimension 40-60, oui, c'est bien. Fera, oui. Parce que plus tu réduis le vide, oui. Plus les défauts sont importants. Je veux dire, s'il y a par exemple 2 mm de différence, oui, ça. 2 mm sur 1 cm, c'est 20%, 2 mm sur 5 mm, c'est 50%. Tu comprends? Oui, c'est ça veut dire. Ça joue, oui. Donc c'est pour ça qu'on garde un peu de vie pour absorber les... Bon, on essaiera de réduire un peu.
expo en cours de préparation. Alors François, qu'est-ce que tu penses de l'expo ? Rien. C'est un pigment de l'Antiquité en fait. Parce que pour rentrer dans le Sénat romain, il fallait être vêtu de toge avec un peu de... Sinon, on n'avait pas le droit. Ça signifiait le pouvoir. Ça donnait le pouvoir spirituel et... Tu vas pouvoir aller rentrer dans le Sénat. Oui, je vais voir un moment maintenant. Mais tu t'es signé. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Marc. Ça va, rebonjour. Salut. Ah, salut. Ah, ben dis donc, voilà. Ah ouais, ça arrive. On voit avec ton petit poisson, là. Oui, attention, hein. Ça va. Et l'expo alors ? L'expo, vous en pensez quoi ? C'est pas mal. C'est pas mal, un peu décousu quand même. C'est-à-dire que ce côté hétéroclite, hétérodoxe, c'est... Il y a des vignettes, là, tous ces petits formats, il y en a de la major, j'aime bien. Mm-hmm. Voilà, à Charles de Maigre, voilà. Des photos du 170. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ceux qui sont un peu crépusculaires. Et... Ah bah si, là, alors les habits sont un peu fantomatiques comme ça. Alors c'était bien que je sois là. Oui, c'était bien que tu sois là. Merci.